Ah, bonjour, vous travaillez? Non, je rêvais que je dormais, moi. Ce que c'est l'air de mon frère. Oh, ça alors, le soleil, il a affiché un coup de terrible. Oui, et puis l'hiver, quand on a vraiment besoin de lui, il n'y a plus personne. Hein. Mais marrant. Dis donc, tu sais ce que nous avons décidé, Marceline et moi? Hein? Nous avons fait un château de la Loire. J'ai 2000 francs, une auto avec un spinner magnifique, ou alors tu pourras poser ta tête. Bref, on t'emmène. Impossible. Parce que... Parce que... Parce que, tiens, t'as jamais vu ça, toi. Regarde, hop. Hop. Rien. Là, tout mon capital, non? 20 francs et nous sommes le cas. Tu permets, oui. Dis-moi, mais comment fais-tu? J'ai pas envie, j'ai toujours de la monnaie, j'ai jamais d'argent. Ouais. Sais-tu combien j'ai gagné en un an au palais avec mon talent d'avocat? Non. Bah devine. Je sais pas moi combien. 875 francs. Non. Ouais. Je comprends pas pourquoi tu plaides pas plus souvent. Eh ben moi non plus. Mais il fait peur aux clients avec sa barbe. T'as l'air d'un satyre embusqué derrière un buisson. Oh, il était bien mieux rasé. J'ai laissé pousser ma barbe pour me donner plus d'autorité, tu comprends? Non, c'est vrai, je faisais trop bébé. Mais j'ai voulu que les clients me prennent au sérieux. Mais les clients, c'est comme les escargots. Ils ne sortent pas par des temps de chaleur pareils. Quand l'as-tu vu? Qui? Mais ton dernier client. Mon dernier client, il y a 8 mois et 3 jours. Alors, j'ai défendu le 14. Il a attrapé... Alors, ben, je le verrai pas avant 3 ans, maintenant. Mais qu'est-ce que t'attends pour faire raser tes barbelés? Ben, quoi qu'il en soit, je peux pas partir avec vous, mes enfants. Pourtant, j'ai une terrible envie de vacances. Oh, voilà le mois de juillet. Hein? Tous tes confrères sont partis en vacances, et alors toi, pauvre miteux, tu restes à Paris, dans le palais de justice désert, à essayer de ramasser des rognures de dossiers, des reliefs de clients, ou des résidus d'affaires à la noix de coco. Et tout ça, parce que tu n'as pas su te débrouiller, zut. Te rends-tu compte de ce que tu perds? Les châteaux, la Loire, le Louvre, le Spider. Et toi, je croyais que tu jouais Pense sur la marquise aux nouveautés. Oui, hein? Je jouais de sein gauche. Oh, un rôle de composition. On a fait le relâche depuis hier. Donc, voudrais-tu avoir l'extrême obligeance d'aller ouvrir la porte? Serait-il indiscret de te demander pourquoi? Oh non, non, c'est pour faire un courant d'air. On est tous ici. Il fallait le dire tout de suite. Maître Antonin Rose? Oui, monsieur. On peut entrer? Une seconde, je vous prie, monsieur. C'est un client! Quoi? Un client! Un client! Ouais, bon, et bien alors, mon cher maître, il ne me reste plus qu'à vous remercier de vos précieux conseils juridiques et vous féliciter encore pour votre magnifique plaidoirie. Au revoir, cher maître, et bonnes vacances. Merci, madame. Monsieur, je suis envoyé par Sir Archibald Scarlett, baronnet. Son valet de chambre, un nommé Durin, lui a dérobé, par bêtise, une épingle de cravate de valeur. Il est à la santé et je viens vous demander au nom du baronnet de vouloir bien assurer la défense de ce pauvre garçon. Le baronnet a déposé une plainte dans un moment de colère qu'il regrette aujourd'hui. Je pense, mon cher maître, que vous ne refuserez pas de mettre votre grand talent au service de cette petite cause. Soit, j'accepte de m'occuper de cette affaire, à vrai dire, assez médiocre, n'est-ce pas? Le baronnet m'a prié de vous remettre ces 2000 francs à titre de provision. Remercierai le baronnet. Durin, division, la santé, Paris.
Antonin Rose. Durant, maître. J'ai étudié votre dossier. Antécédent favorable, rapport de police inoffensif. Vous étiez au service de Lord Archibald Scarlett. Oui, maître. Mari de Lady Helena Scarlett. Oui, maître. Vous avez dérobé une épingle de cravate. Oui, maître. C'est imbécile. Voilà les vacances, votre affaire ne viendra pas avant 2 mois. Non, maître. Pourquoi avoir attendu la mort de saison? Vous êtes malin, vous, hein? Non, maître. Oh, ne pleurez pas! Qu'espérez-vous attendrir? Ce n'est pas encore correctionnel, ici. C'est la première fois que je me déshonore. Je n'ai pas l'habitude. Merci, maître. Eh bien, mais dites-moi, vous avez des réactions nettement fluviales, hein? Pourquoi pleurez-vous? Alors, alors. Vous aurez le sursis, je vous le promets. Non, moi, je ne compte pas. Aucune importance. Comment madame va-t-elle faire à présent, sans moi et tout? Elle qui comptait tant sur moi. Quelle dame? Helena Scarlett. Elle m'avait chargé d'une mission de confiance. Et alors? Alors, j'ai été arrêté avant de pouvoir avoir un service à madame. Et alors? Alors, madame doit être dans tous les états. Je la vois d'ici. Elle trouvera quelqu'un d'autre. Moi, n'est-ce pas? J'étais dans la maison, fidèle et tout. Ça tombe mal. Allons, mon vieux, allons, allons. Elle va se tuer, fière comme elle est, se tuer et tout. Quoi se tuer? Et quand le baronnet apprendra ce nouveau malheur, il est capable d'en mourir sur le coup et tout. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Secret professionnel. Non, écoutez-moi. D'ailleurs, si madame se tue, moi je me tuerai aussi. Il n'y aura pas de procès, dame. Autant que gagner. Non, mais dites-moi. Non, laissez-moi, maître, laissez-moi. Non, écoutez, Durin, racontez-moi. Ayez confiance, je suis votre avocat. Eh bien, voilà. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Enfin, Durin, si cette femme menace de se tuer, vous n'avez pas le droit de vous taire davantage. Je pourrais peut-être faire quelque chose pour vous. Vous ne pouvez rien pour elle. Il est déjà trop tard. Essayons. On peut toujours essayer. Lady Helena m'avait chargé, parce qu'elle connaît mon dévouement et tout, n'est-ce pas, dame, n'est-ce pas moi? Pas périphrase, parler. Chargé d'aller chercher dans un endroit secret une enveloppe scellée et une valise. Il paraît que toute sa vie et tout dépend de cette enveloppe et de cette valise. Une histoire d'amour, probablement. En tout cas, quelque chose qui lui tient au cœur. Et je l'entends encore me dire Achille, parce qu'elle m'appelait Achille. Achille, allez, 7 rue Chalgrin. 7. Si on vous demande qui vous êtes, vous direz que vous venez de la part de Monsieur Van Housen. Voici la clé. La clé de la porte, entre sol à gauche. Et une autre clé. Celle-là. D'une serrure qui est cachée par les franges du divan jaune. Dans le divan, vous trouverez la valise, et sur la valise, l'enveloppe. Prenez le tout et apportez-le-moi avant le 6. Elle a dit le 6. Si le 6, je n'ai pas cette valise et cette enveloppe, je disparaîtrai pour toujours et tout. Le 6, nous sommes le 4. Je suis là en prison. C'est comme qu'il dirait madame qui est condamnée à mort. Non, Durin, non. Je n'ai pas le droit de faire une démarche pareille, même s'il y va de la vie d'une femme, non. 7 rue Chalgrin. Entre ça à la gauche. Thank you.
Alors, maître, tout s'est bien passé. Pour vous, oui. Oh, maître, je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour elle et tout. Si un jour vous avez besoin de mes services... À cette comédie. Maître... À cette comédie, j'ai ouvert la valise. Fâcheux. Je sais qui vous êtes. La curiosité est toujours punie. Ce que j'ai vu m'a ouvert les yeux. Vous ne pouviez voir ce que vous avez vu sans les ouvrir. Vous êtes Mr. Flo. Un peu de prudence, et je vous prie. Vous êtes... Parlez pas, il y a du monde à côté. Vous êtes Mr. Flo, bandit international. Oh, que c'est coco, oh, que c'est feuilleton, bandit international. Vous parlez comme un mauvais fait diversier, fidon. Recherché par les polices du monde entier. Le monde entier est si petit. Spécialiste dans les cambriolages de banques. Pourquoi vouloir me spécialiser dans le travail des coffres-forts? Ah, on a en France une manie d'étiqueter les gens, de compartimenter les artistes. Je m'intéresse aux banques, c'est entendu, mais je sais aussi imiter les signatures. Ça s'appelle pasticher en littérature. Je sais. Il y a aussi l'affaire du collier de Monte-Carlo. Et le Rembrandt subtilisé à Amsterdam. Et le cambriolage du casino Jean Lépin. Et le coup du coffre-fort à Saint-Anton. Saligo, je vous livrerai à la justice. Non. Je dirai la vérité. On ne vous croira pas. Nous ne serons condamnés ensemble. Je reporterai la valise ou je l'ai prise. Impossible. Vous permettez? Eh bien. C'est épouvantable. Soyez un peu maître de vous, maître. C'est sur vos instructions que le concierge a fait ses déclarations? Vous voyez bien que vous ne pouvez pas reporter la valise, rue Chalgrin. Ni rue Chalgrin ni nulle part. On va m'arrêter. Mais non. Ah, je voudrais être loin. À Deauville. Quoi? À Deauville. Il faut vous faire oublier, c'est notre intérêt. Notre intérêt? Oui. Antonin Rose, en rentrant chez vous, vous trouverez une enveloppe contenant 4000 vrais francs. Bien joué. Et demain matin, après avoir renouvelé votre garde-robe, vous partirez pour Deauville. Vous remettrez de ma part la jolie valise compromettante et la mystérieuse enveloppe à la belle Scarlett. Non, Durin, non. Vous tenez à garder cette valise chez vous? Vous vous présenterez au Royal. Bien. Sous le nom de Mr. Prime. Non, Durin, non! Si, Antonin. Et je vous conseille fort de supprimer barbe si exactement décrite par le concierge de la rue Chalgrin. Vous voulez que je me fasse couper la barbe? Je n'hésiterai pas. Esthétiquement et juridiquement, moi, à votre place, je préférerais m'en séparer. Soit. Comme ma vie intérieure ne constitue pas une distraction suffisante et qu'il me faut rester en contact avec l'extérieur, j'ai prié Merlot de me rendre visite pendant votre absence. Tout le monde le tient déjà pour votre secrétaire. Ce garçon est d'ailleurs docteur en droit, d'excellente famille, bonne éducation. Je parle espagnol et speak English. Mais qui est Merlot? Ce n'est pas l'envoyé de Lord Scarlett? Mimi. Écoutez, Durin, après ce voyage à Deauville, jurez-moi que tout sera fini pour moi après, mais fini à tout jamais. Je le jure, Antonin. Vraiment? Sur mon honneur. Monsieur, Lady Helena Scarlett, s'il vous plaît. De la part de Monsieur Prime. De... Ouais. Le 123. Monsieur Prime est en bas. Monsieur Prime est en bas. Un instant. C'est cet Antonin Rose. Est-il intelligent? Il est jeune. C'est déjà ça. Vous en ferez ce que vous voudrez. Bien. Alors faites monter Monsieur Prime. Bien, madame. Accompagnez monsieur au 123. Vous permettez, monsieur? Non, laissez ça.
toi. Ciel flambeux soudain en moi fait naître un étrange bien-être. Je suis rempli des mois, depuis des mois, je rêve à toi. Monsieur Prime, comme je suis heureuse. Madame, je... Mais bien sûr, voyons. Vous n'avez pas changé. Depuis 2 ans, oh, vous m'avez bien manqué. Chérie, m'ont bien manqué. Ses yeux, cette chose qui embrassait si joliment. Toujours aussi svelte, Lawrence. Vous permettez que je vous appelle Lawrence, comme à Milan. Comme à Milan. Comme à Berlin, comme à Londres. Oh, chérie, j'ai souvent pensé à cette nuit du Dorchester. Vous vous rappelez? Ou ma cablier d'orchidée, cette chanson que nous aimions tant, vous vous rappelez? Madame, je suis confus, je crains. Oh, il est confus, je l'ai toujours connu confus, cher Laurent. Ce sont là vos bagages? Non, madame, ça c'est la valise de Durham. Qu'est-ce que c'est que ça, Durham? Le valet de chambre de votre mari. Ah, Achille! Achille. Oui, nous les appelons tous Achille, c'est plus commode. Et pourquoi m'apportez-vous cette valise? Eh bien, voilà, madame, Durham, ou plutôt Achille, avait chargé son avocat qui est un ami à moi d'ailleurs, de vous apporter cette valise et cette enveloppe. Lawrence, vous nous avez recommandé un très mauvais domestique. Je ne comprends pas du tout. N'est-ce pas sur votre recommandation que nous l'avons engagé à Alger? Mon mari était plein de bonté pour lui. Achille lui a volé bêtement un bijou ridicule. Mon mari a pardonné, moi pas. Enfin, je conserve cette valise puisqu'il vous a prié de me la confier. Mon cher Lawrence. Léger, inconstant, et frivole, Lawrence. Comme autrefois. Je bois de votre cigarette pour connaître votre pensée. Non. Non, vous pensez ça? Déjà? Est-ce que vous méritez? Où êtes-vous descendu ici? Je m'excuse, madame, mais je reprends le train ce soir. Alors, vous n'êtes venu que pour Achille? Mais voyons, madame. Achille, mais voyons, madame! Je sais ce que vous allez me dire, je fais toujours les mêmes choses, toujours et bien. Non, non, vous ne partirez pas ce soir, vous partirez demain, après-demain, mais pas ce soir. Vous ne me ferez pas ça, voyons. Ricordati, caro, ricordati, Costantinopoli, ricordati. Non, madame! Mais n'y est, je vous en prie, n'y est. Heureusement qu'il y avait des témoins, il n'y a pas de c'est un con. Allô? Je veux un appartement pour Monsieur Prime. Quoi? 500 francs par jour? Mais oui. Où sont vos autres bagages? Dans la voiture, madame. Bien. Réglez la voiture et faites monter les bagages, oui. Écoutez, madame. Rendez-vous ce soir à 9h au casino. Le baronnet est en Écosse, mais Dieu merci, sa table nous reste. Conduisez monsieur dans son appartement. À tout à l'heure. Non, mais écoutez. Merci, vos jeux, mais c'est fait, marqué, plus rien. Rien ne va plus, fini, terminé. Demain, premier, numéro 1. Pour la bonne monsieur. D'accord. 3 000 à la plaque, voilà 3 000, veuillez. Alors, messieurs, marquez vos jeux de chaque côté, on peut faire. Merci bien, monsieur. Merci beaucoup, changeur. Merci pour vous. Garde. Garde au premier tableau. Garde au second. 10 000, 15 000, 2 fois 10 000, peut-être payé. Marquez vos jeux, messieurs, on peut faire. Avant les cartes, s'il vous plaît. En plein le billet de 50 000, monsieur. Oui. Changeur, 10 plaques, s'il vous plaît. Je vous remercie. Les 50 trucs sont marqués. Marquez vos jeux, c'est tout. On y a l'appel, fini. Parti. Garde. 9. 9. 2 000, et voilà, 50 trucs, tout. Monsieur, ça reste les 2 000, monsieur. Oui. Est-ce qu'on verrait? Porte toujours vaine. Je suis une espèce de fer à cheval. Marquez vos jeux, monsieur, on peut faire. Premier tableau. Garde. Second tableau. 9. 9 en second, paye partout. 3 à la banque. Marquez vos jeux, messieurs, on peut faire. Les jeux sont faits. Les jeux sont marqués, messieurs, on ne sait plus rien. C'est tout.
Rien ne va plus finir. Carte au premier. 9. 9 au second. On paye partout. Et je t'en paye. Alors, messieurs, ça reste. 2000. 15 louis. Annoncé à la plaque. Et on peut faire, messieurs. Marquez vos jeux. Premier tableau. Carte. Carte. Second. 9. 9 au second. On paye partout. 2000. 2007. 15 louis. 12, 17, 19, 20 000 payés. Messieurs, marquez vos jeux. Les jeux sont payés. Les jeux sont marqués, messieurs, on ne fait plus rien. C'est tout. Rien ne va plus. Fini. Premier tableau. Carte. Carte au premier. À vous la main, monsieur. 9. 9 au second. 6 à la banque. Bon, premier, on fait le second. Il ne faut rien. Messieurs, marquez vos jeux. 15, 17, 8 et 25 louis debout, tout est payé. Messieurs, marquez vos jeux. Je sens que les jeux sont marqués. C'est tout. Fini. Rien ne va plus. Premier. Tiens. Second. 9. 9 au second. Bon, premier. Bonjour. Y'a gamin ce gamin car. N'a gamin la ce gamin la halassia. Qu'est-il? Monsieur Benet vous dit bonjour. Il n'a toujours pas fait de progrès en français. Non, il a déjà beaucoup de mal à s'exprimer dans sa langue natale. Vous qui êtes son secrétaire, pourriez-vous me dire de quel pays il est exactement? Oui, monsieur Benet est hollandais. Mais il a passé toute sa jeunesse en Chine, où il a été élevé par une gouvernante javanaise. Yomaka. Qu'est-il? Monsieur Benet vous renouvelle son invitation. Il part bientôt en croisière et il serait heureux de vous avoir parmi ses passagers. Dites-lui que je me ferai un plaisir d'y réfléchir. 130 000 francs avant une mission de 5 000 francs par tableau. Les jeux sont payés, marqués, on ne fait plus rien. Allons, premier au second, on peut faire. Marquez vos jeux. Gagné. Allons, on peut faire, messieurs. Tout ça? Marquez vos jeux. Oh. Allons, 130 000 francs, messieurs, on peut faire 65 000 francs de chaque côté. Complément. Complément, bien madame. 2, 4, 8. 104 000. 2, 4, 5. Comment? Encore 4 000, monsieur. 4 000. Ça va? Premier tableau? Non. Second tableau? 4. Carte au son, 7 à la banque. 1 et 6, bon partout. Et un but. J'ai vu, merci. Combien aviez-vous gagné? À peu près ce que j'ai perdu. Un chiffre? Je sais pas, moi 100 000. Ah tiens, j'aurais parié. Non, j'aurais gagné. Quel est ce gentilhomme si distingué et si rassé à qui vous souriez? Bennett, un multimillionnaire. Il en a bien l'air. Il ne joue pas, lui. Ah non, c'est pour ça qu'il est multimillionnaire. Mmh. Il a un yacht magnifique. Et une tête à claque. À propos, vous reste-t-il encore quelques plaques? On prend peu de choses. Dommage. Allons dîner. Et après? Après, on verra. Elena, il n'y a pas d'erreur possible, je suis heureux. Bon, je sais que c'est trop épatant pour durer, mais enfin, je suis heureux. Si je voulais, je vous aimerais. Si vous vouliez? Moi, je me retiens de toutes mes forces, mais je sens que je vais céder. Vous me rirez au nez, j'aurai l'air d'un imbécile. Ça m'est égal, il n'y a pas de témoin. Oh, vous ressemblez à une chose qui a le vertige. Oh, mon bracelet. Ici, votre bracelet. J'ai perdu mon bracelet. Au casino? Mais non, au casino, je n'ai perdu que 100 000 francs. C'est ici que je l'ai perdu, il n'y a pas de minute. Ah, bah alors, on va le retrouver. Mais je vais chercher par ici, voulez-vous? Oui, si je trouve une division de meilleurs visages, je vous ferai essayer. Oui, moi, je vais pas. Alors? J'ai eu une peur terrible, il avait déjà gagné près de 100 000 francs. Oh, mauvais. Oh, mais rassurez-vous, je vais lui faire perdre aussitôt. Qu'est-ce que vous pensez de lui? Oh, il est attendrissant, il croira tout ce qu'on voudra lui faire croire. Vous pouvez assurer à Durin que tout ira très bien. Thank you.
Oh, pas à cause de sa valeur, non, mais c'est un souvenir. D'amour, naturellement? Non, de première communion. Donnez-moi une cigarette. Oui. Elena. Je sais. Moi aussi. Vous m'aimez déjà? Mais pourquoi cet étonnement? Alors Venise, Milan, notre Dorchester, tout ça, ça ne compte pas. C'est que ce soir, je suis un autre homme. Voyons si votre bouche a changé. Alors... Elena, écoutez-moi. Il faut que vous sachiez. Je ne sais pas à qui je vous rappelle, mais je ne veux plus de cet incognito. Je veux aimer et être aimé pour mon compte personnel. Elena, mon amour, je ne suis pas celui que vous croyez. Je suis... Je le sais. Idiot. Bonjour, monsieur Maki. Qu'y a-t-il pour ton service? Merci. Ouais, monsieur n'est guère causant ce matin, disons-le. C'est que ça. Ah non, laissez ça tranquille, vous, hein. Serait-il indiscret de vous poser une question? Non. Comment cette valise est-elle venue dans ma chambre? Oh, bon, je pensais qu'elle était plus en sûreté chez toi que chez moi. Sais-tu ce qu'elle contient? Non, je n'ai pas eu la curiosité de l'ouvrir. Moi, je l'ai ouverte. Sais-tu ce que c'est que ça? Non, non, mais c'est ravissant. C'est un attirail complet de cambrioleurs avec accessoires inédits et ma photographie. Ta photographie? Ma photographie. Pourquoi ta photographie? C'est ce que je me demande. Et Durin, sais-tu ce que c'est que Durin? Bah, c'est un film. Durin est un bandit de droit commun. Non! C'est monté. Oh! Hein? Sale! Oui. Lui? Dame. Non! Durin n'est autre que l'illustre Mr. Flo. Non! Se peut-il vraiment que cette petite chose de Durin soit cette grande chose de Mr. Flo? Pourtant, assez. Oh, chérie, abandonnez
ça? Je me sens si seule, tout à coup, si dangereusement seule, mon Dieu. Mon pauvre vieux mari est en Écosse. Non, restez. Tu voulais que je reste, ne me dites pas rester. Dis-moi, reste. Reste? Oh, Durin, Mr. Flo, c'est inouï. Tu n'as jamais rien remarqué d'anormal? Ben non, jamais. Un domestique, c'est un gilet rayé. Tous les gilets rayés se ressemblent. Oh, il faut oublier tout ça, chérie, hein? Ce soir, nous ferons une petite bombe, tu? Ah, jure-moi une chose, pourtant. Jure-moi que tu ne risqueras pas la roulette ou baccarat, les quelques derniers billets de nuit qui te restent. Tu ne peux pas tenter la chance, mon chéri. Jure-moi que tu ne joueras plus. Quel jeu? Sur quoi? Sur ta tête. Merci. Elle est jolie, cette robe. Ce soir, je la mettrai pour sortir avec toi. Toi en smoking, moi en ça, formerons un de ces coups. Et dire que je voulais rentrer à Paris et... Tu m'en fous, tu sais. Je t'aime. C'est très désagréable. Oh. Très désagréable. J'étais pas prêt pour un grand amour. Pourtant, maintenant, si tu me quittais, j'ai l'impression que je serais comme la cendre d'un cigare éteint. Oh. Oui, c'est un peu coco, hein? Non. Non, tu as 8 ans. Non, mais rassure-toi, tu es très avancé pour ton âge. Soin de soin. Ah, c'est ravissant, tu sais. Ah, c'est joli. Par la lueur de ce beau soir, laissez-moi vous redire mon espoir. Merci pour cette rose rose qui chasse mes pensées de rose. Tiens, regarde. Fine, gin, framboise, Elina. Elina. Eh ben, tu as bu, hein? Non, non. Enfin, si, j'ai bu. J'ai bu juste pour me donner le cran de dire certaines choses qui sont difficiles à expliquer. Expliquer. Elina, écoute-moi bien. Ah, oh, évidemment. Elina. Si, si. Elina, je suis très, très, très... Très, très, très quoi? Très ennuyé. Voilà, tu te souviens les 100 000 francs que j'avais, que tu as joué? Et que nous n'avons plus. Ouais, voilà, souvenir, c'est tout ce qui reste d'eux. Eh bien, voilà, je voudrais que tu m'en rendisses un petit peu. Oh, pas beaucoup. Non, c'est parce que... Ouf. Précise. Perdu. Tu as joué. J'ai plus un sou. Tu m'avais pourtant juré sur ma tête, hein? Oui. Marie. Non. Bon. Marie. Aidez-moi à me déshabiller, je ne sortirai pas ce soir. J'ai bien fait de pas jurer sur tes jambes. Merci. Oh, mais j'adore aussi ta tête. Ta tête a de jolies jambes. Tes jambes ont une jolie tête. Non, pourquoi ta tête fait-elle la jambe? Pourquoi tes jambes font-elles la tête? Tais-toi, veux-tu? Bien. Avoir risqué ces derniers billets malgré ton serment. J'ai bu pour oublier mon serment. À présent, nous n'avons plus un sou. Nous allons manquer d'argent de poche. J'ai tapé tout le monde. Je ne trouverai pas 10 louis. J'ai déjà 10 000 francs à Marie, n'est-ce pas, Marie? J'ai une idée. Si tu
as-tu télégraphié à Sir Archibald Scarlett? Oh, il n'enverra pas une guinée. Il est très généreux, seulement il ne me laisse pas 100 francs dans mon sac. C'est Maki qui règle tout. Ils pourront tout de même pas aller au casino avec Maki derrière nous. Ce serait ridicule, non? J'en ai assez. As-tu fini de jouer de la finale pendant que je te parle? Je croyais être enfin tombé sur un homme possible, agréable, honnête. Je tombe sur ça. Sur un pilier de casino qui ne tient même pas sa première promesse. Ah, sa promesse. Je vais mieux m'en aller. Tiens, adieu. Elena. Quoi? Tu pars avec la valise de Durin. C'est ta faute, tu vois. Tu me mets dans tous mes états. Vois, va. Je te calme. Tiens-moi. Merci. Qu'est-ce qu'on va faire? Oh, c'est ravissant, tous ces instruments. Oh, on a fait de grands progrès dans la cambriole. Ils sont en argent? Non, ils sont en acier massif. J'ai une idée. On va jouer à cambrioler. Cambrioler? Nous allons Arsène Lupini. Et tu voudrais que nous Arsène Lupination ensemble? Je t'adore. Je te super adore. Eh ben alors viens. Moi, je connais une villa déserte qui n'attend que nous. On a tout ce qu'il faut pour réussir. Allons-y. Ça, il n'y a que toi pour trouver des distractions à la campagne. Et puis ça, au moins, c'est une distraction bon marché. À la mienne. On va rire. Non, mais c'est sérieux, on va rire. Bah, tu verras. Ça m'inquiète, tout ça. Tiens, c'est pour le gardien. S'il nous dérange. Ah non, tu plaisantes, Elena. Non, je prévois tout. Non, mais je croyais que tu plaisantais, moi. Voyons la serrure. Ah non, mais moi, je t'interdis d'entrer, Elena. T'entends? Je t'interdis d'entrer. Je ne veux pas, personnellement. Allez, viens. Bon. Avance. J'ai l'impression que je fais un bruit terrible en marchant. J'en ai plein les oreilles. Mais non, avance. Chut. T'entends rien, toi? Non, je n'entends rien. Tu fais de l'autosuggestion. Faut que je m'habitue. Maintenant, je vais t'apprendre à travailler. Pose tes pieds et écoute-moi bien. Je vais te montrer les outils dont tu auras besoin pour fracturer les tiroirs que je t'indiquerai. Ça, c'est une pince, monseigneur. Répète. Ça, c'est une pince, monseigneur. Répète. Ça, ce sont des rossignols. Répète. Ça, ce sont des rossignols. Répète. Crochet. Tournevis, scie à métaux, vilebrequin. Vile comment? Brequin. Vilebrequin. Bravo, tu es un amour. Et où as-tu appris tout ça, toi? À la faculté de droit. Droit? De droit. De droit. Qu'est-ce que c'est? C'est le gardien. C'est le gardien. Il aboie? Tiens ton gourdin, il veut bien. Mon gourdin. Mais dis, Elena. Elena.
Portez-le. Chérie, tu peux venir? Voilà. Regarde comme il respire bien. Oh, il est tombé tout de suite, tu sais. Pour moi, il a la tête un peu fragile, ce garçon. Dis-moi, chérie, est-ce que je peux me rechausser? J'ai un peu mal au froid au pied. Oui, je te permets. Bien sûr. Tu veux pas finir ça, chérie, s'il te plaît? Ah, tu as peur de te couper? Oui. Où vas-tu? Je vais dans la... Tu permets, oui. Merci. Chacun sa pudeur, j'ai horreur de me chausser devant une femme. Je vous laisse en tête à tête. Bon, j'ai horreur de ça. Au travail. Ah non! Ah si, c'est une fort jolie chose de mon ami Cézanne, ça vaut 100 000 francs, dis donc. Non, tu ne vas pas faire, tu restes même il est vide, sûrement. Une fracture est une fracture. Chérie, cambriolage avec le gentleman, tu entends le gentleman? Un cambriolage n'est pas une visite mondaine. Un cambriolage n'est pas un pillage, laisse ça. Sandal, va. Tu n'y connais rien. Chérie, est-ce que tu te rends compte que tu te conduis comme un goujat? Voilà une maison, tu ne seras plus jamais invité. Ou tout calme-toi, on a assez joué, tu ne trouves pas? Et puis moi, j'ai très faim. Tu as faim, toi? J'ai soif. Bah, alors, on va pique-niquer à la cuisine. Hein? Veux-tu être très gentil et faire plaisir à la dame d'arranger les petits outils? Dommage, je commençais à m'amuser.
Bonjour, chérie. Est-ce que tu te fous de moi? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? C'est sûr qu'on a cambriolé l'hôtel cette nuit. Qu'est-ce que tu racontes? Une histoire que tu connais par cœur. Et c'est sûr qui a cambriolé l'hôtel? Celui-là même qui avait cambriolé la villa de Lady Helena Scarlett. Mr. Flo. Et c'est sûr qui est Mr. Flo? Eh ben, c'est Durin, il est en prison. Mr. Flo, c'est toi. Mais tu es fou, non? Je suis fou. Et ça, qu'est-ce que c'est que ça, hein? Ta carte de visite nocturne? Tu mériterais une de ces corrections. Je vais t'expliquer. Assez de mensonges. Je comprends tout sans explication. Enfin, voilà Mr. Flo identifié. Et je suis son complice. C'est magnifique. Mais tu sais. Je parlerai aussi fort qu'il verra. Mais non, tu m'en... Je m'en fous. Allô? Quoi? Commissaire? Oui, qu'il monte. Voilà la police. Voilà une belle occasion pour toi de me dénoncer. Si tu m'aimes un peu, le dixième seulement de ce que tu prétends m'aimer, tu diras que tu as passé la nuit ici avec moi. Tu veux donc que c'est toi qui as fait le coup? Qu'est-ce que ça peut faire? À présent, je t'aime, tu entends? C'est ma vie qui est en jeu. Un instant. Laissez entrer. Là. Entrez. Madame, monsieur, excusez-moi de troubler votre repos, mais j'ai une pénible mission à accomplir. Madame, le célèbre Mr. Flo s'est introduit cette nuit dans votre villa. Non. Si, madame. Vous voudrez bien passer à mon bureau à 3 heures. Dois-je télégraphier à mon mari? Oh, madame, sa présence n'est pas indispensable pour ce sorte de constat. Monsieur, madame. Charmé de vous avoir connu dans d'aussi pittoresques circonstances. Oh, madame, pour moi, elles ne sont pas pittoresques. Elles sont quotidiennes. Et de monotone, des vols, toujours des vols, encore des vols. Je passe mon temps à voir des fripouilles. Enfin, à vous revoir, madame. Tiens, je perdais notre pièce à conviction. Votre voleur a aussi opéré à l'hôtel. Et partout, il a signé ses opérations. Drôle de mentalité. Venez, messieurs. Brûler ce qui te compromet, rends-moi donc quelques comptes, toi. Et d'abord, qui est Durin? Tu le sais, c'est Mr. Flo. Ah non, ça suffit. Tu t'es assez moqué de moi comme ça, hein? T'as entendu, je suis un imbécile, un enfant de 6 ans ne serait pas conduit plus légèrement que moi. Tu m'as compromis. Mais non, j'ai compromis M. Prime. Mmh. Et Antonin Rose est innocent. Bien subtil pour un président de cour d'assises, hein? Ne tourne pas comme ça autour de moi, tu me fiches mal de merde. Qui est Mr. Flo? C'est Durin, faut-il te le répéter? Durin est mon amant, là! Quoi? Il y a 6 ans qu'il me tient. J'ai participé à toutes ses aventures. C'est lui qui a organisé mon mariage avec Sir Archibald Scarlett. Pas mal. Et ton pauvre crétin de mari, quel rôle joue-t-il dans cette comédie? Durin convoitait sa fortune. Là, longtemps maintenant, oui. Oh, moi je suis ravi, je suis au comble de la joie, moi. Et Durin s'est fait arrêter pour une misérable épingle de cravate. Non, tu ne comprends pas qu'il a tout voulu, tout prémédité, il allait être démasqué. Tout de même. Oui, par mon beau-frère, Sir Philip Scarlett. Sir Philip a toujours été hostile à mon mariage. Il se méfiait de Durin, il allait l'identifier. Durin a très bien senti le danger, pour tout brouiller, il a imaginé cette histoire d'épingle de cravate, voilà. Tu as une vie d'une simplicité, toi. Et moi, qu'est-ce que je viens faire là-dedans? Et pourquoi ma photographie se trouvait-elle dans sa valise? À cause d'une ressemblance avec Monsieur Prime. Et Monsieur Prime est l'une des incarnations de Mr. Flo. Oui. Tout ça devient de plus en plus limpide, d'une limpidité opaque, d'une clarté aveuglante. Mais enfin, un enfant de 6 ans comprendrait ça. Oui, alors j'ai l'impression d'en avoir 5.
Tu n'aurais pas un cachet d'aspirine? Non, je frise la congestion cérébrale, moi. Pendant que Durin est en prison, prie mon père à l'extérieur. Oui, eh bien, regarde-le. Il est mort à l'instant, monsieur Prime. Je reprends mon état civil. J'en ai assez, monsieur Prime. Je vais être aimé pour moi-même. De sale petite garce. Mon Dieu est venu. Je te jure que j'avais l'intention de me servir de toi, comme Mr. Flo se sert de moi. Oh, oh. Oui, 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 t'es pas obligé de me croire, mais je me suis laissé prendre à mon propre jeu. Ce sont des choses qui arrivent, tu sais. Oh, d'autres. Mais non, crois-moi, je suis sincère. Je suis sincère puisque je t'avoue que je t'ai menti. Chérie. Chérie, nous allons partir tous les deux. Oubliez Mr. Flo et vivre, hein. Vivre. Oh, tu m'aimes bien encore un peu, dis. Bien entendu, je t'aime. Si je ne t'aimais pas, il y a 2 heures que je serais parti. Je suis le dernier des hommes. Ah, si seulement je pouvais ne pas t'aimer pendant 10 minutes, tu recevrais une de ces raclées, toi, tiens. Oui? Non, pas 10 minutes, 1 quart d'heure. Et je fais partie d'une bande, alors ça, c'est le comble. Mais non, rassure-toi, il n'y a pas de bande. Nous ne sommes que 3, j'avais plus. Flo, le boiteux et moi. Comment j'avais besoin de toi pour la Libye, mon chéri? Oh, pardon, c'est fini, Ah, mais je pense à une chose. Je ne pourrais pas partir sans argent. Hmm? Tu sais que chaque soir, Maki me retire mes bijoux, ordre de Sir Archibald. Il les range dans le coffre qui se trouve dans sa chambre. Alors, ce soir, tu cambrioleras le coffre-fort, hein? On vendra les bijoux, hein? Et on filera avec l'argent, hein? C'est gentil, hein, toujours que je pense à toi, mon chéri. Alors, ça recommence. Ben, réfléchis, ce sont mes bijoux. Non, tu ne pourrais pas faire tes courses toi-même, non? Ah non, non, moi je peux pas, il faut que je reste insoupçonnable. Mmh. Merci. Non, non, chérie, c'est le dernier sacrifice que je te demande. Tu ne risques absolument rien. Oui, oui, je sais, maquille et sourd et muet. Ah ben tiens, le voilà cet imbécile. Est-ce qu'il peut me taper sur les nerfs avec sa gueule de cafard, celui-là? Écoute, j'aime mieux te donner une grande preuve de confiance. Mmh. Maquille, voulez-vous parler? Toujours à votre service, madame. Tu vois, il n'y a que toi, Durin et moi qui sachions que Maki a tous ses sens. Maki était payé par mon beau-frère pour me surveiller. Un jour, je l'ai surpris au téléphone. Depuis, c'est moi qui le paie pour faire croire à mon beau-frère qu'il me moucharde. Tu sais, mais c'est enfantin. Oui, eh bien alors tais-toi bien. Ce soir, entre 11h30 et minuit, tu iras dans la chambre de Maki. Le coffre-fort se trouve dans le mur, derrière le secrétaire. Le chiffre, 3, 6, 7. Thank you.
Ah, tu me fais faire un drôle de métier, toi. Quand partons-nous? Après-demain. Pourquoi pas ce soir? Il s'agit maintenant de jouer serré. Pour pas que Maki puisse soupçonner quelque chose. Maki! Donnez-moi mes perles, nous sortons. Oh, mais... C'est là que vous rangez mes perles, maintenant? Oui, je me méfiais depuis le cambriolage de ce matin. On peut voler le coffre. Il est vide. Oui, Bennett a invité tous mes clients à bord de son yacht. Il a vidé notre hôtel. Drôle d'idée. Non, excellente idée. À la suite du cambriolage des chambres, il a pensé qu'en invitant tout le monde à bord, il arriverait à identifier Mr. Flo. Il a même engagé deux détectives. Il ne rentrera à Deauville que lorsque Mr. Flo sera démasqué. Et alors? Et voilà, le coffret était vide. Joli travail. Et Elena? Parti en croisière sur le yacht de Francesco Bennett, millionnaire. Rangez cet argent, vous m'agacez. Qu'est-ce que vous voyez? Ben... N'avez-vous pas l'impression qu'Elena a pour Antonin Rose un penchant que nous n'avions pas prévu? Je n'ai aucune impression. Il faut que cette croisière soit interrompue. Il faut qu'Elena comprenne bien que je ne la lâcherai pas avant d'avoir eu complètement la fortune de Lord Scarlett. Croit-elle donc que j'ai fait son mariage uniquement pour lui assurer une existence luxueuse? Elle reviendra, et dans les 48 heures, vous m'entendez? Vous m'agacez à la fin. Laurence Prime. LP. Curieux. Voulez-vous dire à M. Bennett que les recherches se centralisent sur un certain M. Laurence Prime? Très bien. I have a kind of fantastic horrific in the book with this guy, Laurence Prime. Yeah, nah. Monsieur Bennett est affolé, il vient de recevoir un câble, il faut qu'il rentre immédiatement. Fini la croisière, il faut prévenir tout le monde. Et je suis désolé. Oh. Monsieur Bennett est désolé. J'ai entendu. Mm-hmm. La croisière est arrêtée, nous allons rentrer à Deauville. C'est trop beau, hein? Ça ne pouvait pas durer, nous étions trop heureux. C'est vrai, tu étais heureuse? Oui. Pour la première fois, peut-être. Je viens de faire connaissance avec ce qu'on appelle un bonheur paisible. Neuf de carreau, voyage. Dis-moi, comment feras-tu surveiller comme tu l'es pour débarquer? Tu crois que la police sera là à notre arrivée? Bah, il vaut mieux tout prévoir. J'ai une idée. Oh, 10 de pique. Ennui. Zut. Prime a disparu. Prime? Oui. Je visitais partout, rien, personne, il s'est envolé. Comment envolé? J'ai interrogé la vieille Scarlett, elle semblait tout à fait décontenancée par cette disparition. Ce Prime ne doit pas être bien loin.
j'ai vu Mr. Flo. Hein? Furieux. Pourquoi? Qu'est-ce que tu fais là? Dis-le-tu. T'attendais. Ouais, mais t'as failli attendre longtemps. Oh, quel voyage! J'aurais jamais dû t'écouter. J'aurais jamais dû m'évader du yacht. En fuyant, je me suis dénoncé. Mais non. Réfléchis, tu as dénoncé Mr. Brim, tu n'as pas dénoncé Antonin Rose. Oui, oh, je connais la chanson. Prime est un saligo, Antonin est un amour, or Prime est Antonin, Antonin est Prime, c'est le même personnage. Alors mettons que je sois un amour de saligo, en tout cas je suis repéré. Pas pour longtemps, tu vas laisser pousser ta barbe mon chéri, on ne te reconnaîtra pas. Bon, je l'ai coupée parce qu'elle me compromettait, maintenant il faut que je la laisse repousser pour qu'elle me décompromette. Oh, mimi. Ah non, pas toi, hein. Quoi, pas moi? Pas toi, c'est tout. Tu ne vas pas à présent employer les expressions de Mr. Flo. Il commence d'ailleurs à me taper sur les nerfs, tous les Flo. Le Mr. Flo, la Lady Flo et toute la Flo family. Ouh, tu as l'air nerveux, chérie. Oh, mais j'en ai assez de tes chéries. De ta comédie, de ton charme en contreplaqué. Quoi? Assez. Ah, ça, je ne comprends pas. Tu comprends très bien. Non. J'en ai assez aussi de dévaliser des villas qui t'appartiennent, de voler des coffres-forts vides. De voler à blanc, si tu préfères. À blanc? À blanc. Oh non, tu préférerais sans doute voler pour de vrai. Mais enfin, mais quel rôle joue-je? Quoi? Quel rôle joue-je? Je suis obligé pour fuir la police de faire de la natation, de l'automobile, de la course à pied. Obligé de servir d'alibi pendant que madame pille les chambres d'hôtel. Voyons, mon amour. Non, mais dis donc, t'as fini de te fiche de moi, oui. Ouh, mais tu vas me parler sur un autre temps, toi. Non. Si. Non. Si. Non. Si. Et puis tu vas rester ici jusqu'à ce que ta barbe ait poussé. J'ai tout prévu. Voici les conserves. J'aime pas les conserves. Voici les champagnes. Je n'aime pas le champagne. Oh, mais tu mangeras ce que je t'ordonnerai de manger. Non. Si. Non. Si. Non. Tu vas me faire le plaisir de prendre la porte. Je prendrai. Tu la prendras. Je la prendrai pas. C'est bien la première fois que tu refuses de prendre quelque chose. Je resterai. Tu t'en iras. Non. Si. Non. Tu m'énerves, t'entends? Ah! Ouh! Voilà au moins une chose que tu n'auras pas volée. Oh, il s'en parle toi. Tu vois. Je te déteste. Moi, je te méprise. Oui. Oui, dans la tête aux pieds. Moi, je pense que Durin nous accuse de nous aimer. Non. Si. Non. Si. Thank you.
Il va être surpris de notre visite. D'autant que le juge d'instruction a donné un coup de pouce au règlement. Le permis de visiter qu'il aurait refusé à Antonin Rose, il l'a accordé à Lady Helena Scarlett. Le voilà. Bonjour, maître. Bonjour, Durin. Madame a passé de bonnes vacances. Non, excellente, Durin. Maître Antonin Rose a aussi passé de bonnes vacances. Aussi bonnes que celles de Lady Helena, maître. Je suis bien content pour madame. Le temps doit vous sembler long ici, mon pauvre Durin. Oh oui, madame, j'ai hâte de rentrer de nouveau au service de madame et de ne pas quitter madame d'une seconde comme autrefois. Hélas, mon pauvre Durin, je ne pourrais pas vous prendre. Fini, mon pauvre Durin. Je vous vois un excellent certificat, bien entendu. Madame, c'est pourtant bien que je n'ai pas dérobé l'épingle de cravate par intérêt. Je ne porte que des nœuds papillons. C'est moi, mon petit Durin, qui ai conseillé à Lady Helena de se séparer de vous. Mais nous vous recommanderons à des amis, n'est-ce pas? Oui, nous nous occuperons de lui. Madame reviendra sur sa décision. N'en croyez rien, mon pauvre Durin. N'ayez pas d'espoir inutile. Oh, si vous saviez... Comme votre pauvre petite histoire d'épingle m'est apparue médiocre cet été. Monsieur est drôle quand il croque sa monnaie. Je m'excuse, mais j'ai un rendez-vous à 4 heures. Au revoir, Durin. Au revoir, monsieur. Madame. Maître. C'est ma dernière visite, mon cher Durin. Nous nous reverrons à l'audience. Oh, monsieur me reverra peut-être avant. Oh, j'en doute. Vous savez, je suis tellement pris, j'ai tant de dossiers. J'espère d'ailleurs avoir un jour celui de Mr. Flow. Adieu, mon pauvre Durin. Je ne sais si je pourrai venir à l'audience. En tout cas, maître Antonin Rose lira ma déposition. Antonin Rose et moi, c'est la même chose, n'est-ce pas? Adieu, Durin. Au revoir, madame. Au revoir, mon cher maître. Au revoir, Durin. Quand passerons-nous? Très rapidement, il y aura beaucoup d'affaires renvoyées. Bonjour. Tu n'as jamais été aussi jolie que depuis la mort de ton mari. On ne me parle pas toujours de la mort du baronnet, veux-tu? Bon. Tu n'as jamais été aussi jolie. Un point. Merci. Toujours? Ces vacances bien passées? Excellent, merci. Dis. Tu crois qu'il sera acquitté? Il sera libéré ce soir. À moins qu'il ne se produise un fait nouveau. Oh, il n'y a pas de miracle. Sait-on jamais, hein? Si seulement nous avions 15 jours devant nous pour nous débrouiller. Bonjour, ma vieille. Bonjour, vieux, ça va? Oh, Philippe. Qui est Philippe? C'est mon beau-frère. Que vient-il faire ici? Il faut le saluer pour lui prouver qu'on ne le craint pas. Bonjour, Philippe. Bonjour, Helena. Maître Antonin Rose, Sir Philippe Scarlett. Monsieur. Vous venez de l'eau? Je suis arrivé ce matin. C'est vraiment charmante, Helena. Une grande journée, n'est-ce pas? Oh, un vol d'épingles. Si, c'est une journée, vous verrez. Vous êtes cité comme témoin? Oh, non, mais ce procès m'intéresse. M'intéresse même beaucoup. Un drôle d'homme que ce Durin, n'est-ce pas? Un malheureux. Qui sait? Je vous laisse avec votre avocat. Mais ça n'est pas mon avocat, je n'ai pas besoin d'avocat, c'est l'avocat de Durin. Ah, mais je croyais que monsieur venait vous défendre. Contre quoi? Les circonstances. Expliquez-vous, Durin. Pourquoi avez-vous pris cette épingle? Répondez! Je prie le tribunal de bien vouloir excuser la timidité bien naturelle de mon client. C'est la première fois qu'il passe en correctionnel. Alors qu'il s'explique. Mon président, je ne puis m'expliquer ce que je ne m'explique pas. Reste inexplicable et tout. Je regrette, voilà. Surtout que lorsqu'Arlette est mort dans des circonstances si tristes, et tout, il s'est fusillé lui-même avec une carabine de chasse.
comme un lapin. Revenez à votre affaire. Quelle affaire? Comment quelle affaire? Vous avez volé une épingle de cravate. Ah oui, oh. Est-ce que cela existe à côté de la mort de Lord Scarlett? Pauvre Lord. Je l'aimais bien et tout. Voilà, c'est le mot juste. Asseyez-vous, nous avons compris. Il a une tête d'épingle. Et un cerveau d'oiseau. Le cas de notre client est clair, il ne conteste pas le délit. Pas de témoin? J'ai annoncé à leur audition. Parfait. Vous avez la parole. Messieurs, je n'abuserai pas de la patience du tribunal pour un vol aussi enfantin conçu avec une innocence désarmante. De quoi s'agit-il? D'une épingle de cravate. Eh bien, messieurs, je ne plaiderai pas sur une pointe d'aiguille. Qu'est-ce que Durin? Je m'excuse de vous interrompre, maître. Je demande au président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, de faire entendre ce témoin. Faites entrer le témoin. Vos nom et prénom? Philippe Scarlett. Votre âge? 58 ans. Domicile? Londres. Vous jurez de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, levez la main droite dès que je le jure. Je le jure. Baissez la main. Le tribunal vous écoute, monsieur. Messieurs, je ne me permettrai pas d'importuner le tribunal pour un simple vol de bijoux commis par un domestique inoffensif. Il ne s'agit pas de ça. Messieurs, toutes les polices du monde recherchent en vain, depuis des années, un filou international, Mr. Flo. Or, cet introuvable Mr. Flo est ici, dans cette salle. Là! C'est lui, Durin! Alors, silence! Silence là-bas, je faisais avec la salle. Monsieur, je m'étonne que vous ayez tant tardé avant de faire une déposition aussi sensationnelle. Je suppose que vous n'apportez pas que des affirmations, vous apportez également des preuves. Monsieur le Président, c'est une mauvaise plaisanterie. La preuve que Durin n'est autre que Mr. Flo, la voici. J'annonce plus à l'audition de mes témoins. Vous permettez? Je vous en prie. Merci. Messieurs, Durin? Toujours à votre service, monsieur. Alors, silence dans le fond! Assez là-bas! Parlez, monsieur. Messieurs, Durin a été recommandé à mon pauvre frère par un certain Mr. Prime. Or, du jour où Durin est entré au service de mon frère, ce Mr. Prime a disparu. Je vous ferai remarquer que jamais Durin et Mr. Prime ne se sont trouvés face à face. En effet, Durin et Mr. Prime sont le même personnage. Mr. Prime a un grand talent de transformiste, talent que tous les policiers reconnaissent à Mr. Flo. C'est pas une déposition, c'est un casse-tête chinois. D'après vous, Mr. Prime et Durin, le phoque? Oui, et Mr. Prime n'est autre qu'une des nombreuses incarnations de Mr. Flo. Bref, Mr. Prime a recommandé à Lord Scarlett un domestique nommé Durin, qui n'était autre que Mr. Flo. Mr. Flo étant lui-même Mr. Prime, alias Durin. Eh bien, c'est d'une simplicité enfantine. Sir Philip Scarlett est venu de Londres pour nous raconter une histoire marseillaise. Durin, avez-vous une objection à formuler? Non, monsieur le président. Sauf qu'avant de servir chez le baron, j'ai servi dans d'autres places et tout. Vu que j'ai des certificats, même qu'ils sont dans le dossier, et que si j'étais Mr. Flo, je ne serais pas ici, étant donné que je ne me serais pas laissé pendre pour une épingle de cravate, parce que si j'étais Mr. Flo, je serais plus riche que Sir Philippe, étant donné qu'à part ça même et tout. Nous avons compris. Silence! Puis-je terminer ma déposition? Monsieur le Président, nous venons d'entendre une histoire incohérente. Quant aux preuves, nous les attendons toujours, sans trop d'espoir. Chaque fois que Lady Scarlett se mettait en voyage, que ce soit pour Rome, Bucarest ou Londres,
l'activité scandaleuse de Mr. Flo se manifestait. Les déplacements de Lady Helena coïncidèrent toujours avec les vols de Mr. Flo. Puis-je répondre ? Lady Helena Scarlett, Monsieur le Président, que j'ai fait citer comme témoin. Veuillez vous approcher de la barre, madame. Vos noms et prénoms ? Alors, Winterfield Scarlett. Votre âge ? 5 ans. Domicile ? Londres. Vous jurez de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, levez la main, redites, je le jure. Je le jure. Baissez la main. Tribunal vous écoute. Sir Philippe prétend bien que M. Prime n'est autre que Mr. Flo. Parfaitement. Bien. Sachez donc qu'à Deauville, M. Prime, que je n'avais pas vu depuis 5 ans, habitait le Royal. Ainsi, M. Prime était à Deauville. C'est impossible. L'inspecteur Gerbert demande à déposer. Le ministère public y voit-il un inconvénient ? Au contraire. Au point où nous en sommes, un témoin de plus ou de moins. Exemple, l'inspecteur. Volant et prénom. François Gerbert. Votre âge ? 43 ans. Domicile ? Paris. Vous jurez de dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité, levez la main droite, dites je le jure. Je le jure. Baissez la main. J'ai enquêté à Deauville à la suite du cambriolage du Royal et j'ai acquis la certitude que Prime était Mr. Flo. À mon avis, Durand n'a rien à voir là-dedans. J'ai mis dans cette affaire ma réputation d'inspecteur, j'arrêterai Mr. Prime. Une chose cependant me semble étonnante. Mr. Prime portait les initiales AR. Et pourquoi riez-vous ? Ce sont les initiales de mon avocat. En permettez ? Quoi ? Ce ne sont pas vos initiales, maître ? Mais, monsieur le Président, n'est-ce pas, ça ne veut absolument rien dire. Tenez, par exemple, aujourd'hui, j'ai un mouchoir, n'est-ce pas, aux initiales M.A. J'avais oublié le mien ce matin et c'est mon confrère Marcel Achour qui m'a prêté le sien. Merci. Un mot encore qui va décider de tout. Je vais prouver que Mr. Prime ne peut pas être le même qu'il y a 5 ans. J'ai fait surveiller Lady Helena. Moi ? Pourquoi ? Mais par qui ? Par Mackie. Sachez que Mackie n'était ni sourd ni muet. Oh ! Il servait en quelque sorte d'envoyé spécial près de Lady Helena. Oh, Philippe, vous êtes un méprisable personnage. Je ne puis que m'associer à ces paroles. Au nom de la défense, je flétris les procédés de Sir Philip Scarlett. Je ne vous permets pas, monsieur. Moi, monsieur, je me permets. Je prie le tribunal d'assurer le respect des témoins. Il faudrait pour ça que les témoins fussent respectables. Oh, maître. Nous allons entendre ce maquis, s'il est là. Comme ça, nous serons au complet. Vos noms et prénoms. Secondo maquis. Votre âge. 30. Domicile. Londres. Vous jurez de dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité. Levez la main droite, dites je le jure. Je le jure. On baisse la main. Alors, connaissez-vous Mr. Prime ? Oui. Il était à Deauville ? Oui. Et ce n'était pas M. Durand ? Non, c'est Mr. Prime. Ainsi, les espions eux-mêmes vous confondent, Philippe. Vous espériez sans doute influencer votre frère et lui déconseiller de tester en ma faveur. Oh, je ne vous permets pas. Oh, votre manque d'élégance autorise toutes les suppositions. Silence ! L'audience est sortie. Durand, écoutez-moi. Le président du tribunal est un homme charmant. Il s'appelle Désiré Ferriol. Il demeure 215 boulevard Saint-Germain. Dans ton 75-91. Fortune personnelle, œuvre d'art, galerie de tableaux. Ce qui signifie ? Rien. Dans un quart d'heure, je serai libre, maître. Qui sait ? Oh, maître, ne sous-estimez pas votre talent. Oh, Durand, ne surestimez pas l'indulgence de la justice. Dans un quart d'heure, vous passerez à ma caisse en compagnie d'Helena. Nous avons en effet des comptes à régler. Regardez-la bien. Car elle est moi dès ce soir. Ce soir, vous partirez très loin et seul. J'ai horreur de la solitude. Vous partirez ? Oui. Seul ? Non. Alors je parlerai, je casserai le morceau. J'ai fait mes comptes, moi aussi. Si je parle, vous aurez 20 ans minimum. Et Helena, 2 ans. Non, 10. 2 avec un bon avocat. 10 avec un bon procureur.
Mais vous-même, maître, ne risquez-vous rien dans cette affaire? Si, j'aurai 6 mois. Vous valez mieux que ça, maître. 6 mois, ce n'est pas un prix pour une personne de votre valeur. Ça m'est égal. Je préfère savoir Elena seule en prison qu'en liberté avec vous. Quant à moi, je me fous de tout, vous m'entendez, de tout. C'est une affaire maintenant entre vous et moi. J'entends vivre à ma guise avec Elena. Poète. Et pour ça, il faut que vous restiez encore quelque temps en prison. Trop aimable. Trouvez un moyen quelconque de vous faire condamner. Trouvez-le vite. Sans quoi, je demanderai la parole et je me mettrai à table. Je me mettrai à table. Quel vocabulaire. Ah, Durin, je ne plaisante pas. Et je l'ai l'air qu'un homme qui se vante. Je ne vous souhaite pas de mal. Vous m'avez menacé, je me défends. Si vous ne vous débrouillez pas pour rester en prison, je dirai la vérité au tribunal. On n'a jamais vu un accusé se débrouiller pour rester en prison. D'ailleurs, je suis votre client, maître. Je défends Durin, mais je peux dénoncer Mr. Flo. C'est du chantage? Je ne chante pas. C'est un marché. Ne marche pas. C'est ce que nous verrons. Ce que nous verrons. Oh, pardon, monsieur. Le tribunal. Audience surprise. Le tribunal ne croit pas bon de retenir la déposition de Sir Philip Scarlett. Le parquet ouvrira une enquête s'il y a lieu. Maître, vous avez plaidé. La cause me semble entendue. Monsieur le Président, j'aurais un mot à ajouter. Un mot de combien de phrases? Il s'agit d'un aveu. D'un aveu? Enfin, d'une confession. Nous vous écoutons, maître. Monsieur le Président. Mais quoi encore? Monsieur le Président, puis-je parler à maître Antonin Rose? Oui, mais pressez-vous. La justice a beaucoup de choses à faire cet après-midi. Merci bien, monsieur le Président. Monsieur le Président, mon client tient à faire cet aveu lui-même. Bien, arrangez-vous tous les deux, mais ne perdons pas de temps. Hein. Monsieur le Président, je ne suis pas celui que vous croyez, non. Je n'ai pas volé qu'une simple épingle de cravate, et tout. Oh non, j'ai toujours volé. Oh, pas grand-chose. N'importe quoi, des babioles. Des stylographes, des portefeuilles, des ombrelles, des bijoux, des pardessus, des savonnettes. Et tout. Je ne sais pas si vous me comprenez bien. Oh, admirablement. J'ai volé dans toutes mes places, c'est plus fort que moi. J'ai des envies de voler, ça me tient là, et partout. Si je ne vole pas, je souffre. C'est comme la soif. Ça sèche la gorge. Oui, voilà, voler, ça me fait autant de plaisir que si je me désaltérais. Je vole depuis l'âge de 6 ans. Le jour de ma première communion, j'ai volé les chapelets de tous les petits camarades. J'espérais que je vous corrigerai, mais non, impossible alors. Je préfère tout vous avouer. Je ne voulais rien vous dire, mais ça aussi, c'est plus fort que moi. Et tout. C'est pourtant pas l'air d'un voleur adroit. Moi, oh là là, j'ai volé il y a un quart d'heure. J'ai volé ça. Ma montre. Avez-vous quelque chose à ajouter pour la défense? Non, monsieur le Président. Attendez qu'il résulte des débats des aveux de l'inculpé, qu'il s'est emparé d'une épingle de cravate et divers objets de valeur appartenant à son plaignant, alors qu'il était au service de ce dernier sous des tirs, que le fait tombe sous l'application de l'article 408 du Code pénal, le condamne à la peine de 1 an d'emprisonnement. Fixe au minimum la contrainte par corps. Merci bien, monsieur le Président. Durin, nous sommes quittes. Quoi? On a cambriolé mon appartement? Et on a laissé une carte au nom de Mr. Flan? Oh, ça c'est... L'audience est suspendue.
ça y est, j'ai attrapé un rhume de menton. Un an devant nous. Un an de répit. D'ici un an. Chérie, on va enfin pouvoir s'aimer, hein, sans sursis. Dis donc, qu'est-ce que c'est que ça? Non, non, non.